Ma personne, ne demande jamais de l'argent à ton mentor. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as sorti réussi. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous partageons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement ma personne, le dimanche 7 février 2021, je serai en direct avec la multimilliardaire appelée Madame Françoise Poinet. C'est un direct qu'il ne faut absolument pas manquer. Dans ma personne, reste connecté dimanche à 19h30 sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook, peu importe où tu seras. Ça va juste être énorme. Et puis la quatrième annonce que je voulais absolument partager avec toi, c'est que si tu es au Cameroun et que tu cherches des livres business, des livres sur le développement personnel ou alors des livres sur la motivation, tu as un seul numéro à appeler, c'est le 6 93 54 68 13. Je répète, 6 93 54 68 13. Si par contre tu es dans la diaspora et que tu cherches mon tout nouveau livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business », je donne rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com ou alors en contactant le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Maintenant que nous sommes d'accord avec tout ça ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bilias Valère. Je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, c'est bien. Avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu échoues sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc, comme moi, je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc, si toi et moi, nous sommes d'accord avec ceci, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. De ma personne, comme je te le disais tantôt, ne demande jamais de l'argent à ton mentor. Tout d'abord, c'est quoi un mentor? Un mentor, c'est juste une personne, virtuelle ou non virtuelle, qui est déjà allée où toi tu veux aller. C'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est ça, un mentor. C'est très important d'avoir un mentor dans la vie. Parce que le mentor, puisqu'il est déjà arrivé où toi tu souhaites arriver, il connaît la route. Donc, c'est la personne la plus à même à te dire ce que tu dois faire pour pouvoir avoir au moins les mêmes résultats que lui. Parce que comme il était déjà dit par le passé, si tu veux avoir du succès, copie sur ceux qui ont déjà du succès jusqu'à avoir au moins les mêmes résultats que eux. Moi, je ne le cache pas, mon mentor sur le docteur Colin Loubissi. J'en ai beaucoup d'autres dans plusieurs domaines. Parce que, par exemple, si je veux dans le marketing, si je veux dans le business, si je veux dans la médecine, si je veux même dans la production de vidéos sur YouTube, j'ai un mentor dans chacun de ces domaines-là. Et je regarde ce qu'ils font et je copie. Des fois, je ne comprends même pas ce qu'ils font. Je ne comprends même pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais je me rends compte qu'ils ont des résultats. Donc, ce que je fais, c'est que je fais d'abord ce qu'ils font et après, je me demande même pourquoi est-ce que ça fonctionne. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu veux te lancer dans un domaine, et que tu ne sais pas comment te lancer dans ce domaine-là, identifie le leader et copie. Regarde ce qu'il fait et refais la même chose. C'est ce que moi je te conseille de faire. Mais maintenant que nous sommes d'accord en ce qui concerne cette définition du mentor-là, une fois que tu as identifié ton mentor, que tu copies et tout, la deuxième étape, c'est qu'il faut absolument que tu cherches à entrer en contact avec lui. Il faut absolument que vous puissiez échanger. Il y a plusieurs façons d'échanger avec son mentor. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, donc tu peux lui laisser un mail ou tu peux lui laisser un message sur les réseaux sociaux. Mais très souvent, j'espère pour toi que ton mentor, c'est quand même quelqu'un qui est là-bas. Très souvent, il y a beaucoup de messages qu'il reçoit. Du coup, il y a de fortes chances que ton message soit noyé dans les tonnes de messages qu'il reçoit. Donc, envoyer un message sur Facebook ou sur WhatsApp, sur machin truc, ce n'est pas souvent très pertinent. Ce que tu peux faire à l'inverse, c'est que si ton mentor est dans une zone géographique qui t'est accessible, va où il se trouve et cherche à travailler pour lui, même gratuitement. Va, tu lui dis que moi, je veux travailler pour toi gratuitement, juste pour apprendre. Je sais que quand il va te dire, va apprendre chez lui gratuitement, tu vas me dire, mais Valé, non. Quand tu cherches la connaissance, la compétence,
Tu ne regardes pas que l'argent, pas l'argent. Puisque une fois que tu as la compétence, l'argent vient forcément. Donc cherche à travailler avec lui. Et si tu ne peux pas aller, tu n'es pas accessible d'un point de vue physique, trouve un moyen qui va permettre qu'il puisse sentir qu'il a quelque chose à gagner en travaillant avec toi. Je vais te prendre un simple exemple. Il y a un peu plus de 3 ans, lorsque j'ai découvert le docteur Kozen Oubissi, je lui avais forcément écrit un mail. Je lui ai dit, bon, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Bon, il ne voyait pas trop en quoi est-ce que je pouvais lui être utile. Donc forcément, voilà, il m'a dit, ok, mais voilà, c'était normal, je n'avais pas encore fait mes preuves. Mais au fil du temps, j'ai continué à bosser de mon côté. Et j'ai continué à entretenir le contact avec lui, le lien, on continue à échanger. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que oui, travailler avec moi peut lui être aussi bénéfique. Et donc à ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble. Mais ça a été quand même, le chemin a été un peu long, mais ça valait la peine. Bon, maintenant, une fois que tu es en contact avec ton mentor, vous pouvez travailler ensemble. Ne lui demandez jamais de l'argent. Jamais. Je sais que, au contraire même, donne-lui. Ça ressemble à un contresens, mais c'est comme ça. Si tu as un mentor, ne lui demandez jamais ce qui donne-lui. Les seules choses que tu peux lui demander, c'est comment tu fais pour arriver à tel niveau. Comment moi je peux faire pour faire telle chose. Voilà les choses que tu dois demander à ton mentor. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que lorsque ton supérieur se sent redevable vis-à-vis de toi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si ton mentor est en Afrique, toi tu es en Europe, tu as quelqu'un qui doit aller en Afrique, contacte-le, tu lui dis, bon, dis-moi un peu. Moi, j'ai quelqu'un qui descend au pays. Qu'est-ce que je peux faire? De quoi tu as besoin pour que je mette dans la valise et te donne? C'est comme ça qu'on crée son cercle d'influence. Parce que derrière ton mentor, tu vas entrer en contact avec beaucoup d'autres personnes. Ça sera en quelque sorte ton garant. Parce que oui, tu ne sais peut-être pas, mais en business, le réseau, c'est quelque chose de capital. Et en général, on ne rentre pas dans un réseau comme ça, non. En général, c'est quelqu'un qui te connaît, qui t'introduit dans le réseau. Et cette personne-là se porte comme étant ton garant. C'est comme ça qu'on rentre dans un réseau. Donc vraiment, il faut toujours que ton mentor se sente redevable vis-à-vis de toi. Fais-lui les cadeaux. Permets-lui d'avoir accès à certaines choses. Facilite-lui la vie sur des petits trucs. Mais ne lui demandez jamais de l'argent. Parce que je sais que chez nous en Afrique, on a très souvent cette mauvaise habitude-là que dès qu'on voit quelqu'un qui a un peu d'argent, au lieu d'aller lui demander comment on fait pour avoir autant d'argent, tout ce qu'on trouve à faire, c'est d'aller lui exposer tous nos problèmes en espérant qu'il va nous donner un peu d'argent pour résoudre nos problèmes. Sauf qu'une fois que lui te donne un peu d'argent, il te classe. C'est terminé. C'est terminé, ma personne. Donc, privilégie toujours le côté réseautage. Là, c'est très, 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 très important d'avoir son bon réseau, qu'on puisse s'introduire dans le bon réseau. Parce que lorsque tu as un mentor comme celui-là, et des fois, tu peux te présenter avec des gens qui sont plus ou moins du même acabit que lui, tu te présentes et tu dis, je travaille par exemple avec telle personne. Le simple fait de dire que tu travailles avec telle personne, c'est qu'il va faire. C'est qu'il va contacter ton mentor. Il va lui dire, est-ce que tu connais telle personne? Parle-moi un peu de lui. Et dès qu'il va dire non, c'est mon petit, c'est ma personne, c'est mon gars sûr, ça y est, on t'a validé de l'autre côté. Et c'est comme ça que tu vas commencer à avoir un cercle d'influence de plus en plus important. C'est comme ça que ton réseau va de plus en plus s'agrandir. C'est comme ça que tu vas gagner en crédibilité. Moi, aujourd'hui, je suis en contact avec beaucoup, beaucoup de personnes grâce à mon mentor. Est-ce que tu captes un peu le truc? C'est comme ça que je dis, c'est capital d'avoir un mentor et de s'arranger pour que ton mentor se sente redevable vis-à-vis de toi. C'est important. Donc, s'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que ne demande jamais de l'argent à ton mentor. Si le message est passé, ma personne, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur tous les boutons. Et je te dis, on est ensemble. Minakano.